Ça marche nickel. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Salut à tous. Donc aujourd'hui, je change de métier. Je ne suis plus un danseur chorégraphe. Je suis un cuisinier. Eh ouais, surprenant, n'est-ce pas? Mais bref. Donc les aventures de Max le Cuistot. Le tuto de Max le Cuistot, c'est maintenant. Alors, première étape, se munir d'un récipient. Et là, tu mets 150 ml de liquide. Donc tu peux mettre du lait, tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre les deux. T'évites juste de mettre du vin, quoi. Et surtout, t'évites d'en foutre partout. Et ça, c'est un peu loupé. Hein. Deuxième étape, eh bien, c'est au tour de la tambouille. On va mélanger notre potion magique avec le liquide. Donc pour canne pancake, je mets 80 grammes dans 150 millilitres. Et voilà, vous allez voir, un peu de sport, ça fait pas de mal. Allez, un petit coup de poignet. Et là, je suis sûr que vous mourrez d'impatience de voir la tête de mes pancakes. Et bien, figurez-vous que, bon, le premier, il ressemble un peu à une omelette, on est d'accord, hein? Mais par contre, regardez-moi ça comme c'est beau après. Hein? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Là, vous allez voir que même bébé il a envie d'en manger. Regarde, ouh, ça sent bon les pancakes. Oh, ah ouais, on se lèche les babines. Regardez-moi ça le travail. Eh bien voilà, s'achève le tuto cuisine de Max le Cuistot. Et puis je vais vous révéler en exclusivité le secret de ma réussite. Eh bien, c'est la facilité. Donc merci Full Spring parce que c'est simple, c'est bon.